Ouais, comme le rêve bien. Comme ça va bien. T'es le patron, t'as l'aisto. Ouais, c'est ça. C'est toi. Je t'explique, tu fais des pare-brises. Ouais. Moi, j'ai fait trois devant. J'ai tout à refaire sauf un pare-brise. C'est bon? Comme ça, au moins, tu sais ce que je veux directement. Moi, j'ai été voir un courtier. Il m'a dit quoi? T'as le droit à 8K. Combien? T'as le droit à 8K en cas de bris de glace. S'il y a le pare-brise, tout, n'importe quoi, je suis bête de bien assuré. Je t'explique le plan. Toi, t'appelles l'expert. Je lui dis, écoute, il a le pare-brise à Macron, le poteau. Il a un pare-brise épais. Ça, comme il est chauffant, réfrigérant, il arrête les balles d'AK. C'est bon ou pas? Vas-y. Il va te dire quoi? Normalement, il va paniquer, il va te dire quoi? C'est bon, les 8K, t'as capté? Ça veut dire, en gros, moi, je demande juste, tu viens. Il a niqué sa bébé à l'arrière. Bon, là, je sais pas ce qu'il a fait, je crois, en urgence centre. Il m'a tapé à l'arrière. Tu me refais le pare-choc arrière, un petit peu le coffre. Là, il y a une rayure sur la porte arrière gauche. Tu me la refais au calme. C'est un C3, mais voilà, j'aime bien les jantes du Golf 8. Tu me mets les jantes du Golf 8. Et s'il reste un petit peu, tu mets une ligne. Ça fait pas assez de bruit. Et après, ma gueule, c'est entre toi et l'expert. T'as capté, ça veut dire tout ce qui reste, tu me prends mon temps. T'as capté? Ça va faire juste un peu, non? Ma gueule, moi, je garde rien sur toi. T'as capté, moi, je prends même pas ma pièce. Je m'en bats les reins. Moi, je veux juste ma voiture, t'as bien, soit nickel. C'est tout. Après, toi, si t'as envie d'éche la vie, tu prends tout ce qui reste, tu viens, tu le prends.